Bonsoir à tout abonné nous yo ou sous Tank 509 tout haïtien connecté. Suite à une demande qui fait dans plusieurs commentaires, jodi an nous décidé vinn brasser l'idée sous éventuelle tempête politique ça cap diriger tout droit sous peuple haïtien. C'est occasion pa ou même zami cap garder vidéo a pour comprendre pi bien question mandat présidentiel. Nous finissons par comprendre que chaque acteur politique nous a gagné une idéologie spaghetti. Le yon en bon pouvoir, yon une idéologie. Le yon viré dans l'opposition, yon une autre idéologie. Sans que yon pas respecte maman loi pays qui se constitution, yon viré do bay boussole nation. Depuis quelque temps, gen yon débat chaud kap alimenté actualité politique dans pays. Sous question mandat présidentiel Jovenel Moïse. Pour un pile monde, mandat attend de arriver dans bout li 7 février 2021, alors que partisan pouvoir yo, gouvernement yo campé ferme sous 7 février 2022. Déjà là, nous kaprédi yon vague instabilité politique qui pral mette pays en tête en bas. Et nous gen tan wè la manifestation opposition déjà valé terrain. Et Jovenel Moïse lui-même li style a fait promesse. Entre 2021 et 2022, ou pral découvrir qui sa constitution 1987 amendé en dit sous question mandat yon président élu. C'est vrai gen diverses opinions qui baillent, mais la plupart du temps c'est toujours des opinions qui basées sous yon aspect politique. Alors que même acteur politique sa yo connaît très bien qui sa constitution dit. Yo préféré faire des propagandes politiques pour faire capital politique yo pendant yo mettez à côté maman loi pays. L'important pour être attentif, suivre analyse, suivre intervention du début à la fin et le ça a bien possibilité le monde vient raconter n'importe bobo pour dire voilà mais sa constitution dit mais comment comprendre. Li temps pour nous suspendre quoi tout ça acteur politique ça dit nous. Yo dit ça dans intérêt seulement. Constitution bail qui le on mandat commencé et qui le mandat présidentiel fini. Donc ou pral konnen, ou pral bien konnen, rete branché. Jodi a la m'estime fòk population en mesure pou comprendre pi bien sa an pil moun ap kache yo comme vérité. Tout kote ou pense, tout kote ou vire son question de article 134.2- constitution. Pa gen problème. La fait actualité et nous prale do comprendre qui ça qui dit là-dedans. Et avant même de commencer, li important pour nous faire une mise en contexte de l'article 134-1 qui dit clairement la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections. Avant amendement controversé Constitution 1987 là, élection yo ta dwe fèt dernier dimanche mois novembre nan dernier année mandat présidentiel la. Sans que constitution pa prévoit ki sa ka fèt nan ka élection yo pa rive fèt atan. De 1986 à 2006, nous constatons gen yon pratique juridique qui respecté. Côté que mot pour mot, sa constitution di an se li ki fèt. Et c'est à partir de ça pral vin comprendre ça que fait ancien président Aristide pas jamais ka président encore malgré que il pas jamais fini mandat. Dans premier mandat, il commence mandat en 91 7 février 91, mandat supposé fini 7 février 96. Alors que il passe 3 ans en exil. Constitutionnellement on considère que mandat a fini 7 février. Préval pral vin président de 96 à 2001, les kounye Aristide tourne président en 2001. Malgré que li pa complété mandat nan te vin aller en exil, constitutionnellement mandat fini en 2006. Est-ce que nous comprenons? 2001 pour 2006 mandat complété. Tout schéma sa yo c'est pour me faire nous comprendre ça en pile acteur politique a dit comme quoi élection qui mette Jovenel président dans tête pays c'est suite élection 2015. C'est faux et archi faux. M'bra di nou pou ki sa et nous pral comprendre très clairement. Là moi même pas vinn défendre quiconque, quitte li Jovenel, quitte li opposition.
Parce que il y a un principe constitutionnel qui est établi et qui doit respecter. Alors que en tant qu'abonné conséquent nous là pour nous éclairer, nous là pour nous mettre lumière sur tout ça mon a vinn ba nous comme fait noir. Nous pas prendre ananas pour Suzanne parce que gon constitution qui établit des principes et principes ça yo nous là pour nous éclairer, nous sur pour nous faire lumière sur yo. C'est aussi simple. Parce que si nous décidons de faire pays, faut que nous ta respecter loi yo. Là nous prend le reconsidérer date élection yo, premier tour à deuxième tour élection. Avant même que m'parle m'bral faire nous tendez Léopold Berlanger qui était président conseil électoral à l'époque, ou pral tendez qui calendrier CEP te gagné dans date élection présidentielle yo. Décision conseil la prend c'est que premier tour élection nous prévoilons à la date du 20 novembre 2016. Deuxième tour élection, hein, la fête à la date du 29 janvier 2017. Nous décidons pour que j'ai nous programmé calendrier électoral là pour que Gaëtan soit président élu durant le mois de février 2017. Parce que certainement, date ça n'a pas permettre qu'on soit président installé au 7 février. Parce que l'un était parti avec 30 septembre là, c'est parce que nous avons gagné ça en ligne de mire. Donc, on y a une nouvelle disposition que ça que nous obligé prendre par rapport à la réalité n'a vive là vinn fait que nous vinn gagner comme objectif pour que élection non seulement tous les deux tours élection soient faites avant le 7 février ni premier tour là ni deuxième tour là fait avant le 7 février et résultat définitif présidentiel là la baille tout pendant le mois de février qui permettre que nous gagnions un président élu déjà au cours du mois de février. Léopold Berlanger dit clairement là nous tout ce temps d'il premier tour élection en fait 20 novembre 2016 deuxième tour élection en fait 29 janvier 2017 nan souci pour te kage tan mete yon président avant 7 février 2017. Mais tout ça ka fè parler en pile la. Si nan retourne nan question scrutin 2015, nan question élection 2015 an, commission, rapport commission te permet à ce que élection ça te invalide pour foud. Et nous tout te connaît qui brigandin qui te gagne leur élection ça. Élection ça tout monde te connaît Jovenel Moïse te remporté élection en premier tour à passer 50%. Près de 55% il te remporté élection en premier tour. Bref, et pas la nuit. Élection ça il te invalidé donc élection 2016 yo pas suite élection 2015 ans. Yo pas suite élection 2015 ans. Comment? Parce que il pas continuer élection 2015 ans. Élection 2016 an rentre dans cadre yon processus électoral global. Ça veut dire qui ça? Étant donné faut que tu aies un président élu dans tes pays, faut que tu renouvelles le parlement, alors tu es obligé gain élection qui fait. Sou bagay sa chaque moun gen yon interprétation yon fait de constitution suivant intérêt politique moun nan. Après que mante li fini mandal, privé monte. Mais concession politique ça pas jamais nan avantage pays pour plusieurs raisons. Premièrement, Martelly pas gain temps faire élection. Constitution pas prévoit un mandat 1 an pour transition. Alors que pas gain problème constitutionnellement, ka gain transition, mais transition li gain obligation pour organiser élection non période pipiti 3 mois. Privé lui-même li passé 1 an dans tes pays. De ce fait, économiquement, c'est un recul pour pays. Parce que n'a pas dépensé l'argent, nous pas gagné. Juridiquement, c'est une illégalité. Parce que privé dépasse durée, l'État supposé passer dans tes pays pour organiser l'élection. Et politiquement, c'est une instabilité nette qui te crée.
Cependant, dans le cadre d'une régularité constitutionnelle, si Martelly te respecte la constitution, il te fait élection à temps, ça t'a privé Jovenel, t'a supposé prêter serment 7 février 2016 et mandat t'a fini 7 février 2021. Alors, ce qui n'est pas le cas maintenant. Nous allons comprendre plus bien qui est l'article 134-2 a dit, parce que nous allons lire pour nous, nous allons mettre pour nous dans le cas. Mais qui est l'article 134-2 alinéa 2 a dit? Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Gros petit bémol là-dedans. Petit bémol là, au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Bémol ça lui-même n'est pas applicable pour Jovenel Moïse parce que l'élection qui mettait Jovenel sous pouvoir était faite avant 7 février. Ça nous clair sous l'évidence est telle que l'élection a commencé en novembre 2016 et elle finit en janvier 2017. Et nous songeons tout, Jean nous te critiqué Martine Maurice, madame président, a gros radouge bleu là, ça nous pas oublier. Jour investiture qui était fait 7 février 2017 là. 2017 plus 5 égale 2022. Faut nous clair sur un green bagaille. Politiquement, tout bagaille possible dans tes pays. Jovenel ka ale kounya, li ka ale demain, li ka ale 7 février 2021. Tout dépend de qui pression opposition a fait sous lui. Mais constitutionnellement nous doit connaître ça qui doit fait là et gens doit fait là. Moi même curieusement m'étais étonné pour moi de grands politologues, de grands constitutionnalistes choisi considérer ouverture politique là au respect des principes constitutionnels. Pour moi c'est clair. Qui donc moun, qui compte moun, qui pas choisi respecter principe jam ka un leader conséquent, jam ka un leader valable dans tes pays. Que c'est la présidence, que c'est opposition, faut que capable respecter maman loi pays. Lorsque président des responsabilités qui pile loi, c'est veiller au respect de la loi, veiller bonne marche institution. C'est pas job ou pour violer la loi ni créer vide institutionnel. C'est faire élection dans l'heure pour faire l'an, bay peuple la service adéquat pour balien et quitter pouvoir dans l'heure pour quitter l'an. C'est ça, bagaille pas compliqué, son bagaille qui simple, c'est respecter ça la loi dit, c'est respecter sa constitution dit. Hein? Pas grand être compliqué. Respect en nation dépend de comportement dirigeant lui. Li dépend de respect au gain pour principe établi, de croyance au non état de droit. Et c'est vraiment malheureux, c'est dommage que en Haïti, ni gouvernement ni opposition, youn pas prouvé que respecter constitution, youn pas prouvé que gain respect pour la loi. Yo violé leur vle l'aile dans intérêt yo. M choisir être confiant que gon vent changement qui gain pour souffler sur Haïti. Yon vent de stabilité politique durable qui vient pour souffler sur Haïti, sur pays. De ce fait, n'a prêté véatif parce que folle fête, faut que changement fait et faut nouer. Merci pour attention pour la vidéo et c'est un plaisir pour mettre lumière sur réflexion abonnez-vous parce que vous pas qu'à sous taxe 509 pour répéter n'importe bagaille. Pendant mauvais politicien a traîné peuple là dans fait noir, nous-mêmes n'a fait briller un bon genre analyse. Principe là, il pas changé, continuez partager vidéo, commenter, quitte ton like. Encourager travail là parce que n'a travail pour nous satisfaire, n'a travail pour nous mettre plus lumière sur nous-mêmes. Merci, à la prochaine.